Oh, et donc, j'espère que vous allez bien, ici Hodor, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sea of Thieves. Et aujourd'hui on va parler d'un truc qui est vraiment très négatif et qui est très lassant pour tous les joueurs, pour tous les joueurs aussi qui sont très actifs et qui jouent beaucoup et qui sont pas mauvais. Moi je joue pas mal donc et je suis pas un mauvais niveau donc on peut me traiter de cheater et tout ça. Moi je le prends à la rigolade et je le prends super bien parce que c'est un compliment si on te traite de cheater alors que tu ne l'es pas. Clairement ça veut dire que en vrai t'es suspect, c'est que en gros t'as un bon niveau et que ça devient en fait suspect. Donc voilà, moi je le prends bien, mais là aujourd'hui j'en ai un peu marre. Surtout que bon, je crois que c'est ce joueur en plus. Il y avait un galion tout à l'heure, mais je sais pas du tout. Il doit être dans la tempête parce que je l'ai vu passer par là, ou ça se trouve il immerge, je sais pas du tout. Il a dû couler parce qu'il était là et il était plus là pendant un bon moment, donc il a dû couler. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de faire mon fof. J'avais du loot et tout, donc c'est pour ça que je reviens de Sanctuary. Je crois que c'est Sanctuary. Parce que j'ai tout sel parce qu'il y avait y a un galion qui est passé juste à côté et qui voulait faire. Qui était sur l'île et qui est parti, je sais pas pourquoi, il veut peut-être nous laisser faire. Moi je vais le faire, hein, y a pas de souci. Et je me casse avec les coffres importants. Oh. C'est tout simplement, j'étais sur l'île en train de faire le fort. Et ensuite, du coup, je suis allé par là-bas, j'ai vu la sirène. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout opaque, on peut voir à travers. Et donc, j'ai pris le cake qui était juste là-bas. Et donc j'ai sauté sur lui, et il est mort. Donc, on a réapparu dans le vaisseau des damnés. Je lui ai dit, mais tu viens de débuter ou quoi? T'es stupide, tu viens comme ça avec ta sirène et tout. Enfin, t'es pas caché quoi. Et surtout que il avait quand même des trucs qui font penser qu'il est quand même ancien dans le jeu. Donc aucune réaction. Je me dis c'est peut-être un débutant ou voilà. Il m'envoie un message et il m'ajoute sur Xbox. Et il me dit ouais tu cheats et tout. Donc ok, j'ai envie de voir qu'est-ce qui lui fait dire ça parce que c'est opaque et tout. Il commence à me menacer avec le ton compte il va être ban, dis au revoir à ton compte et tout. Ok. Mais du coup c'est quoi tes trucs pour me dire que je suis un cheater? Alors il me dit que comme quoi il connaît mieux que moi, hein, comme quoi j'ai pas utilisé ma spyglass, ma longue vue, alors que si, hein, clairement je t'ai vu, Coco. Qu'est-ce qu'il m'a dit de plus? De plus, il m'a dit comme quoi, pourquoi je suis parti lorsque le galion est arrivé. Je lui ai dit pour sécure mon loot et il m'a dit ah ouais well bien mais tu restes quand même un cheater. Donc ok. Et ensuite il a continué à me menacer etc. Et j'ai regardé son compte et il a quand même pas mal d'heures. Donc c'est assez bizarre qu'il ne connaisse pas, qu'il ne sache pas que en fait on peut le voir dans l'eau. Je sais pas si. Enfin il est pas invisible. Le mec, on peut le voir. Donc, je comprends pas du tout sa réaction. Là, il doit sûrement se dire, oh, il va peut-être arriver. Faut que je recorde et il va me couler. Et c'est sûr, c'est un cheater et tout. Bon, ok, si tu veux, on verra bien. Dans tous les cas, à la fin de ce combat, parce que quand j'aurai terminé, je pense qu'il va me foncer dessus. Il y avait pas un galion. Ah, je crois que le galion il immerge. Hein. Parce que le galion il était par là. Ah ça arrive. Et donc voilà, c'est vraiment con. Des joueurs aussi avancés quand même. Il a normalement le pack de chien noir là, le Sea Dog. Non, Black Dog. Donc c'est quand même étrange qu'un joueur aussi avancé ne sache pas et en fait crie au fail, enfin au cheat des premiers trucs. D'un coup. Ça crée au cheat.
que bon, surtout sur des trucs aussi peu convaincants quoi, donc c'est dommage. Crash, donc je vais terminer cette vidéo en faisant une conclusion, en disant comme quoi, bon, s'il vous plaît, prenez du recul à chaque fois que vous jouez, de ce que vous dites, les mots c'est important. Ne traitez pas les gens de tuteur directement, ça se trouve c'est juste de la chance, vous savez que ce jeu il est énormément bugué aussi, s'il y a des trucs louches qui se passent. Et surtout, bah en fait vous n'avez pas le point de vue de l'autre, et donc franchement, essayez pas de directement conclure. Parce que bah en fait vous serez persuadé de la chose et en fait vous verrez que par ça, et donc vous chercherez toujours à trouver la petite faiblesse, alors que bah, des fois il n'y en a pas en fait. Et donc en fait c'est vous un peu les cons, mais bon. Il reste quand même énormément de joueurs qui cheatent. Donc bah c'est pas peu commun quoi. Donc voilà, essayez de prendre du recul à chaque fois que, bah, que vous jouez au jeu et que vous trichez, enfin que vous dites qu'un joueur triche, parce que bah, pareil, ça peut avoir des répercussions. Par exemple, bah, à force de trop report des faux joueurs, bah, peut-être vous allez vous faire, pas ban directement, mais ban peut-être 2 jours. Afin de vous calmer, il y a des bans temporaires et des bans permanents. Les permanents sont aussi... Bon, je pense pas ils vont ban les joueurs qui essayent d'aider à faire bannir les tuteurs, mais bon. Voilà, je crois que j'en ai assez parlé. Donnez-moi aussi, si vous avez des expériences, des choses à ajouter ou des choses en contradiction avec moi. C'est toujours intéressant d'en parler, et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, c'était Auteur, le bouche-chiffre, allez, ciao ciao.